Je leur dis toujours, je veux des choristes, pas des touristes. Bonsoir. Né à Frémin-Merlebach, il a aujourd'hui 68 ans, passionné de musique et de voix. Il fait des études à Strasbourg avant d'entrer au conservatoire de Luxembourg où il a travaillé notamment avec Pierre Cao. Il est depuis 2009 le symbole d'une histoire unique en Lorraine, le chef de chœur de 2000 choristes à peine. Jacky Lox, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur le plateau. Merci beaucoup du face à face. 2000, c'est beaucoup, non? Vous réalisez aujourd'hui? Oui, c'est beaucoup. Après, ce n'était pas un but en soi. Au départ, quand on m'a demandé de monter un projet un peu vitrine pour montrer la richesse du chant choral en Lorraine, j'ai fait un appel au choral de Lorraine. Je me suis dit, si on a 300 ou 400, ça va être génial. Il y en a eu 2000. Donc, c'est avec 2000. Alors, le plaisir est encore plus grand parce que ça veut dire que 2000 partagent en même temps les mêmes émotions. Ça crée d'autres soucis de logistique. Justement, c'était ma prochaine question. Comment on arrive à réunir autant de monde? On arrive à les réunir en bossant dans différents secteurs. Donc c'est moi qui me déplace, c'est plus facile de déplacer un mec que de déplacer des chœurs. Donc je vais bosser dans toutes les régions du Grand Est, même à Paris, en Suisse, parce que j'ai des amis suisses qui veulent participer. Et donc je répète avec 600 ici, 400 là, 300 là. Et les derniers moments, je les réunis tous au Galaxy, où là on est vraiment en tournée, en résidence au Galaxy sur le dernier moment. Mais comme c'est moi qui fais toutes les répètes, on a la même façon de travailler, donc il n'y a pas de surprise quand je réunis tout le monde. Vous les connaissez tous, vos choristes ou Je les connais visuellement, tous. Je reconnais par leur nom, leur prénom. Ça dépend de comment sont les contacts en dehors. Mais après, je les respecte tous, même si je ne peux pas mettre un nom sur chacun. Ce n'est pas le but non plus, mais c'est de se connaître, de s'apprécier, de s'appréhender et de vivre la même aventure au même moment. Mais vous essayez de créer des liens avec eux ou sont quand même garder une certaine distance? Alors, créer des liens, il y a des liens qui se créent naturellement, par des discussions, par des choses où on se voit avant, après. Et après, je garde une certaine distance quand même parce que je ne peux pas m'occuper de chaque cas et à rentrer dans leur vie. Et je ne le veux pas parce que sinon, on ne s'en sort plus. Donc, on fait de la musique ensemble. Et au moment où on est ensemble, on est super bien. On est en phase. Après, chacun a sa vie et c'est bien comme ça. Justement, au niveau musical, comment on guide finalement des profils si différents? Je crois que ça, la richesse des 2000, c'est justement que le nivellement se fait par le haut. Les plus faibles sont inspirés par les plus forts. Si maintenant, dans 2000, je prends 50 choristes, ça peut être génial comme catastrophique. Mais ensemble, les plus faibles, ils écoutent les plus forts et ils font des progrès fulgurants. Et ça donne cette masse. Et on se dit, 2000, c'est une machine lourde à manier. Non, ils font du Fugain avec tous les contretemps, ils font du Cabrel avec tout ce qui se passe, ils font de la musique classique, et ils le font très bien, parce qu'on n'imagine pas la somme de boulot qu'il y a là derrière. Vous leur donnez des devoirs? Ils ont des devoirs. Chaque mois, je vois un groupe, ils ont exactement les devoirs qu'il faut, parce que ce que je veux, c'est qu'on fasse de la musique pendant les 3 heures de répète, et pas du déchiffrage. Donc là, je suis assez strict, je leur dis toujours, je veux des choristes, pas des touristes. C'est la seule chose qu'ils ont. J'accepte tout le monde, mais si quelqu'un vraiment se manque du travail et je vois qu'il ne fait pas ce qu'il faut, je l'invite à regagner le rang des spectateurs. Et comment vous appréhendez justement de diriger 2000 personnes? Il faut avoir un certain caractère quand même. Il faut tout simplement, par rapport à un chœur de 100 ou de 50, il faut encore exagérer tout, parce que je sais que les plus loin sont à 40 mètres. Donc il faut anticiper un peu plus, exagérer, mais finalement, fondamentalement, c'est le même travail. Après, il y a encore plus d'émotions parce que j'ai 2000 chœurs en face de moi qui en font plus qu'un. Et quand on reçoit ce choc-là, ça ne laisse pas indemne. Ça, je vous garantis. C'est des émotions extraordinaires. Alors, la discipline, j'imagine, est un des principaux ingrédients pour la réussite. Est-ce que vous êtes obligé parfois de hausser le ton, faire un peu le surveillant, le professeur? Il m'arrive de hausser le ton, mais toujours dans la bienveillance, parce que je dissocie le choriste à l'être humain. Quand j'engueule un choriste, j'engueule sa façon de chanter, j'engueule pas le monsieur ou la dame. Et à un moment, il faut ça. Il faut ça aussi pour qu'il y ait une certaine osmose qui se crée. Ça vient par le travail. Donc quand on est 600 devant moi, si ça commence à bavarder, j'arrête tout et je lance une petite pique avec un genre d'humour quand même, mais qui fait bien comprendre aux gens que maintenant on se calme et on chante. Vous avez été professeur de musique aussi, oui. Donc ça a aidé un petit peu. Oui. Comment, pour un choriste, cette fois, on trouve sa place parmi autant de personnes?
J'ai pour l'habitude de leur dire que tout le monde est important et personne n'est indispensable. En fait, c'est vrai. C'est-à-dire que quand c'est piano pour tout le monde. S'il y en a un qui sort plus fort, je l'entends. Donc, c'est cette façon, c'est une école de la vie, c'est de chanter par rapport à d'autres, c'est-à-dire de créer une osmose dans le pupitre. Et donc, il faut que chacun trouve sa place aussi. Donc, même sur scène, je leur demande vraiment de prendre leur place, d'exister par rapport à l'autre et de se sentir important. Parce que tout le monde l'est. Et c'est vraiment, c'est vrai, même à 2000. On reprend du début, Jackie Lox. D'où est parti finalement ce chœur hors norme? Comment il a été créé? En fait, j'avais fait, on va y revenir sans doute, un historique, Jean-Jacques, etc. Le conseil régional de Lorraine à l'époque, Jean-Pierre Masseret, disait tiens, que le Lox, il dirige un peu partout, en France, à l'étranger, ce serait cool qu'il vienne travailler directement à la région pour aider à promouvoir. Il y a déjà des choses, il y a des institutions qui existent. Ce n'est pas moi qui ai commencé à faire chanter les chorales en Lorraine, évidemment. Mais pour continuer à donner encore une autre touche. Il m'a demandé de faire de la formation pour les jeunes. Donc j'ai créé le chœur régional de Lorraine, qui a changé de nom maintenant, on en parlera plus tard. Mmh. Et des rencontres aussi entre amateurs et professionnels avec l'Orchestre national de Lorraine pour monter des projets. Et quelques événements vitrines. Et cet événement vitrine, c'est comme je vous le disais, j'ai appelé toutes les chorales de Lorraine et c'est devenu 2000. Et ça a commencé en 2009 avec une première au Galaxy. Et c'est devenu un rendez-vous tous les deux ans. Mais vous avez accepté directement au départ? Vous avez quand même réfléchi un petit peu, j'imagine. Moi, je dis toujours oui, et après, je réfléchis. Je dis oui quand ça me paraît intéressant avec des gens intéressants. Donc, je dis oui. Et après, on discute. Mais moi, chaque projet nouveau m'excite. Alors, les 2000, on va dire, c'est un projet immense. Mais de chanter dans une église un samedi soir avec 50 choristes, pour moi aussi, c'est un projet immense. À partir du moment où on est sur scène, on se donne à fond. Donc j'ai accepté avec enthousiasme, évidemment. Et puis, les 2000, c'est devenu une deuxième famille. Voilà. Il y a des gens qui attendent cet événement. Parce qu'il n'y a pas que des choristes qui chantent dans des chorales qui y sont. Il y a aussi des choristes qui font que ça, qui font des week-ends de temps en temps et qui viennent participer à cette fête des 2000. Et ça, c'est extraordinaire. Aussi, d'avoir, par exemple, des gamins de 10 ans qui chantent avec le papy. On a un doyen qui a 90 ans, qui chante côte à côte. J'avais mis côte à côte. Et qui chantent le même répertoire, avec 80 ans de différence, mais c'est à pleurer, c'est magnifique. Qui finance finalement ces gros événements? C'est la région en partie? Alors la région finançait ces gros événements avec une subvention qui couvrait à peu près un cinquième donc, de notre projet. Le reste, c'est des associations qui se débrouillaient avec la billetterie, avec des sponsors, avec du travail, avec de l'huile de coude pour mener à bien un projet qui vaut quand même pas loin d'un million d'euros. Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui, cette chorale, pour vous, après 10 années d'existence? J'ai toujours le même plaisir, parce qu'on me demande souvent s'il y a de la lassitude. Non, parce qu'à chaque nouvelle édition, on repart à zéro. Nouveau chanteur, nouveau climat, nouveau concept, nouveau choriste, certains. Pour moi, c'est une renaissance à chaque fois. Donc, il n'y a aucune lassitude. Et j'attends à chaque fois ça avec impatience, un peu d'appréhension aussi, parce que c'est physiquement exceptionnellement rude. Moi, tous les soirs, je suis là, je répète, je rentre à pas d'heure. À un moment, il faut savoir ménager son corps. C'est une grosse fierté pour vous, j'imagine, parce que là, oui, comme un rayonnement européen. Moi, je suis fier d'eux. Je suis fier de ces choristes. Parce qu'on n'imagine pas le travail qu'il y a derrière. Pour certains choristes qui ne sont absolument pas habitués à travailler comme ça, ils font des efforts immenses. Je sais que des maris me haïssent parce qu'ils entendent ma voix dans la voiture, chez eux, tout le temps, parce que madame répète, et le contraire. Mais voilà, ça, pour eux, ça devient une deuxième vie à côté, et qui leur permet aussi peut-être, de temps en temps, de s'échapper de leurs soucis personnels. Et ça, c'est cool. Jackie, on reviendra après sur votre parcours, mais d'abord un peu de votre personnalité. C'est l'heure de la pause café. Première question, votre café est plutôt long ou court? Long. Votre plaisir coupable? Le petit déjeuner, un petit croissant, dans un café, en lisant le journal. Qu'est-ce qui vous met le plus en colère? L'injustice. L'injustice flagrante, ça peut me rendre fou. Après, je me contrôle, mais au début, j'ai du mal. Comment ça peut se concrétiser, justement, avec les 2000, par exemple, l'injustice? C'est-à-dire que, comme tout un chacun, j'ai subi des trahisons de gens que j'estimais beaucoup. Quand on est trahi par quelqu'un
c'est pas grave. Mais quand on est trahi par des gens qu'on estime vraiment beaucoup, ça fait très mal. Et après, il faut se forger une carapace que peu à peu j'ai quand même eu, parce qu'à un moment, il faut se protéger. Parce que sinon, on devient fou, on disjoncte. Mais au départ, ça peut me rendre dingue, oui. La valeur qui vous correspondrait le plus, la loyauté ou peut-être autre chose? La loyauté et la fidélité dans ce monde choral. Mmh. Moi, j'ai commencé à 11 ans à chanter avec des gens et qui je chante encore maintenant à 68. Quel aurait été votre métier dans une autre vie, dans une vie parallèle? Footballeur. Footballeur. Vous pouvez nous raconter un petit peu justement pourquoi footballeur? Ben, en fait, j'ai eu deux passions dans ma vie très jeune, le football et la musique, le chant. Et mener parallèlement, à l'époque, c'était les jeudis, les entraînements, c'est le jeudi, le cours de musique, c'était très compliqué. Puis la vie a décidé, je me suis blessé au genou. Quand à 14 ans, on se blesse au genou, on abandonne les idées de haut niveau. Après, j'ai joué pendant plus de 40 ans, j'ai arrêté à 55 avec mes premières prothèses. Mais c'était toujours une passion, mais surtout à l'entraînement, se dépenser. Moi, je suis gardien, je plongeais partout. Je disais, je suis gardien de volley, je suis gardien de basket, parce que dès que je vois une balle, je plonge. Et mon petit-fils, maintenant, est gardien aussi. D'accord, et donc lui aussi fait... Il fait du piano et il est gardien. Magnifique. Le morceau que vous chantez le plus sous la douche, si vous chantez sous la douche? Alors, quand je chante, parce que je m'étouffe assez rapidement, j'ai chanté très longtemps Stairway to Heaven, Led Zepp. Je trouve ça assez émotionnellement, le début des flûtes qui arrivent là, désaccordées, c'est magnifique. La ville qui vous a le plus charmé lors des tournées, des concerts? Alors, j'avoue que j'aime beaucoup Londres, parce que il y a des comédies musicales tout le temps, c'est une ville qui bouge, il y a un quartier qui bouge, c'est magnifique. Et c'est un peu la même chose à New York que j'ai eu l'occasion de visiter. Ouais. J'ai fait San Francisco aussi en Harley Davidson. C'était un choc aussi. Mais c'était en avril-mai, il n'y avait pas encore cette chaleur étouffante. Et c'était respirable, c'était vachement bien. Ouais. Sinon, j'aime pas trop les villes. Je préfère les montagnes, la nature. Me mettre devant une montagne, la regarder pendant des heures, ça c'est mon vrai trip. Justement, quel est votre lieu, votre endroit refuge? J'ai un lieu que j'adore, c'est m'asseoir devant les Trichim di Lavarello, les Dreisenen, comme on dit en allemand, c'est dans les Dolomites italiennes. Et là, pour moi, cette montagne, quelque chose de magique. Parce qu'il faut s'y marcher des heures avant de la voir d'un coup. Et je pourrais rester des jours. La personne ou l'artiste qui vous a le plus marqué, ça peut être aussi de votre entourage? Alors, mes parents. En premier lieu, mes parents, parce qu'ils m'ont toujours soutenu. Au départ, il y avait deux facs de musicaux, il y avait Strasbourg et Paris, musicaux. Ben, mes parents m'ont soutenu, ils m'ont dit « tu y vas » et ils m'ont aidé d'une façon formidable à chaque fois. C'était mes premiers supporters. Quand avec une chorale de gamins, on chantait, ils faisaient les casse-croûtes, ils faisaient l'entrée, ils nous aidaient. Enfin, c'est avant tout mes parents. Et dans le milieu professionnel? J'ai deux rencontres décisives. La première, c'est Pierre Cao. Pierre Cao qui dirigeait la Psalette de Lorraine et qui donnait des cours de direction orchestre au conservatoire de Luxembourg. J'ai chanté dans sa chorale pendant une douzaine d'années. J'ai appris énormément avec lui. C'est ce que je dis à mes élèves après. À 18 ans, tu te tais, t'écoutes. Et après, tu prends. Tu prends des choses que tu peux ressortir directement et des choses peut-être pendant 10 ans, 10 ans après. Et avec lui, j'ai appris énormément. Et c'est quelqu'un d'ouvert. On s'est lié d'amitié et je suis allé bosser avec lui au conservatoire parce que je rêvais que ma chorale, à un moment, chante avec un orchestre symphonique. Donc j'ai essayé de me donner les moyens. Et le deuxième, bah, c'est Jean-Jacques. Jean-Jacques, évidemment. On en reparlera un petit peu plus tard. Le souvenir de scène que vous n'oublierez jamais? Quand on a rendu un hommage à Jean-Jacques dans le sud de la France, devant 12 000 personnes, Jean-Jacques, il ne croyait pas cet hommage. Il se dit, oh ben non, je ne suis pas encore mort, etc. Et j'ai offert un peu à ma fille, qui chante très très bien, un duo avec Jean-Jacques Goldman sur « Puisque tu pars ». Et les voir chanter ça ensemble, en se regardant, j'oublierai jamais ça. Encore maintenant, j'ai les poils qui se dressent. Si vous avez la possibilité de changer quelque chose sur Terre, n'importe quoi, qu'est-ce que vous feriez? Ben, c'est difficile, hein, mais je dirais que la musique a encore plus de pouvoir sur la vie des gens et sur le cœur des gens. Parce que quand on voit comment on est ému avec la musique, je ne peux pas imaginer qu'on puisse avoir toute cette violence en soi. Donc, c'est un vœu pieux.
Dernière question, qu'est-ce qui vous inquiète dans l'actualité ? Tout. Je suis un éternel inquiet. Je suis inquiet pour mes enfants, mes petits-enfants, quand je vois ce qui est en train de se passer. Que certaines personnes puissent avoir autant de pouvoir sur la vie du monde, de voir aussi la planète qui se détériore, un peu comme tout le monde, mais peut-être que les artistes ont encore un peu plus de sensibilité. De temps en temps, ça me fait vraiment mal. Mais je crois que ça fait mal à tout le monde. Je ne suis pas un exemple à part. Alors, on en a fini avec Séquence. On va revenir un peu sur votre relation avec la région. Mm-hmm. C'est vrai qu'il y a un attachement particulier à la Lorraine. C'est presque du dévouement, finalement. Oui, moi, je suis avant tout mosellan. Je suis né à Frémin-Merlebach. Mon père était à la mine à l'âge de 14 ans. Il était mineur. Mais en même temps, il faisait du piano et de la batterie. Ma mère chantait dans une chorale. Et toute ma jeunesse, je l'ai passée avec des potes, avec des chanteurs, des choristes, dans ce bassin houillé. Donc j'ai un attachement viscéral. Et à l'époque où je faisais les 500 choristes là, sur TF1, la seule chose que j'ai exigée, c'est que ça soit des choristes lorrains. Pour les raisons pratiques de répétition, mais aussi pour les raisons sentimentales. Donc j'ai envie de défendre cette Moselle, cette Lorraine. J'ai envie de montrer que on paraît sinistré vu de l'extérieur, mais ces gens-là, ils ont une richesse énorme dans leur cœur. Vous nous avez parlé de votre père, c'est donc de là que la passion pour la musique est partie de votre côté. J'ai eu la chance, en fait, en sixième, ou même avant la sixième, mon frère chantait dans une chorale d'église, et j'ai intégré ça à 10 ans, dirigé par un chef vraiment très, très, très sympa et très cool. Et donc, j'ai eu cette passion de la polyphonie. Et parallèlement au foot, je commençais à m'intéresser, j'écrivais déjà des arrangements. Je repiquais des arrangements du Golden Gate Quartet à l'époque. Et à 14 ans, ce chef est parti et ils m'ont mis devant parce que j'avais 6 mois de solfège derrière moi. Et donc à 14 ans, je dirigeais ce premier chœur. Et cette passion ne m'a plus quitté. Et après, avec la Psalette de Lorne, avec Pierre, j'ai vu ce que c'était la direction. Et donc j'ai décidé de m'investir à fond là-dedans. Et après, les étapes normales, un petit cœur de copain, le cœur s'agrandit, devient un peu connu. On a envie de mettre des musiciens, donc j'ai mis des musiciens. Et à un moment, j'ai eu envie aussi, comme à la Psalette de Lorraine, de mettre un orchestre symphonique. Et là, je me suis dit, il faut que je bosse. Et donc, j'ai bossé avec Pierre. Donc, c'est un personnage central de l'éducation musicale. Alors, vous avez été, bien évidemment, aussi professeur de musique au collège, au lycée. À chaque fois, vous avez créé des chorales. Oui. Alors, j'ai cette constatation, vous êtes quand même du style à toujours faire quelque chose, entreprendre. Vous n'arrêtez jamais. Certains me disent que je suis hyperactif. Ce n'est pas impossible dans la musique. J'ai un cerveau en ébullition tout le temps. J'aimerais bien qu'il s'arrête pour un moment. Mais je n'ai pas vu le bouton stop. Et donc, j'ai toujours des idées. C'est-à-dire qu'un projet s'arrête. Si je n'ai pas une idée pour la suite, je déprime. Donc il faut qu'il y ait un enchaînement tout le temps. Et il y a tellement de choses à faire que 2 vies ne suffiraient pas. Donc tant que je peux encore, je profite parce que je travaille avec des humains, avec des gens que j'aime profondément. J'aime mes choristes, qui aiment bien, châtient bien. C'est pour ça, de temps en temps, je leur passe une petite... Mais je les aime, ces gens-là. Et chanter ensemble, pour moi, quand je vois ces regards qui s'illumine, ces larmes de temps en temps, ça m'émeut profondément. Et j'ai des idées, plein d'idées à la seconde, elles commencent comme ça. Après, je fais ça, évidemment, par rapport, ça c'est pas possible, mais j'essaie de garder très ouvert. J'ai toujours des projets. Que ce soit tout au long de l'année ou lors de vos représentations, c'est comme un effort physique assez conséquent. Comment vous faites pour tenir le rythme ? Je fais du sport. j'ai toujours adoré le sport, donc je fais beaucoup de vélo avec mon fils, qui fait de la compète, lui. Donc il me dit ciao au début d'école et après on se revoit en haut. Enfin, il revient me chercher. Mais j'ai toujours eu cette envie de faire du sport. Et quand je ne fais pas de sport, je me sens moins bien. Et donc j'essaie de faire un peu de sport. Ça ne se voit pas en ce moment, mais je vais en recommencer vraiment pour être en forme physiquement. Parce que c'est les 2000, je perds 2 à 3 kilos par soirée, quand même. C'est intensément physique. Alors, je vais vous montrer maintenant plusieurs photos ou extraits vidéo. Mmh. Vous allez devoir me les décrire en un seul mot, me dire ce qu'elles représentent pour vous. Alors, la première va s'afficher dans les écrans un peu partout autour de nous. Alors, vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est. En un mot déjà, qu'est-ce qu'elle représente, cette photo ? Ah, ça, c'est des gens qui ont chanté avec moi quand j'avais 11 ans. Mmh. À 11 ans, j'ai monté
le quatuor Orlandus. Il manque mon frère. Et voilà, donc les trois, plus mon frère, membres du quatuor Orlandus. Orlandus, du prénom d'Orlandus Wilson, du leader du Golden Gate Quartet, où j'ai commencé à faire des arrangements, des repiquages, et c'est avec eux que j'ai commencé à chanter. Donc, Jean-Paul chante toujours encore avec moi. François, il n'y a pas longtemps, aussi. Donc, c'est des souvenirs, c'est extraordinaire, ça, ma jeunesse. Deuxième élément, cette fois, c'est un extrait, alors je vous propose de le regarder. Oui. Qu'est-ce que ça représente? Moselle déracinée, qui est un des souvenirs les plus marquants de ma vie de chef, parce qu'en plus, on défendait une histoire. Ma mère en parlait, ma mère a subi. Hein, mais j'ai vu des photos dans les archives départementales de mes parents, mes grands-parents, mes tantes, etc., qui étaient exodés. Donc c'est une histoire qui me touchait vraiment de façon extraordinaire. Et on a créé, recréé donc cette histoire-là, et un souvenir exceptionnel, dans le premier sens du terme. C'est une des représentations peut-être les plus émotives que vous ayez réalisées. Oui, totalement. Réalisées. Une des plus émotives, parce qu'on défendait une histoire, et l'histoire des Mosellans. Donc, on défendait ça avec corps et âme, et si vous demandez à n'importe quel choriste, il vous dira la même chose. C'est monstrueux. En plus, cette chanson, née en 17 à Leidenstadt, hein, Jean-Jacques, on l'a reprise d'ailleurs à l'hommage à Jean-Jacques il n'y a pas longtemps, où aussi on a déployé un drapeau ukrainien. Et c'était aussi, donc, cette chanson-là est un symbole aussi de ce qu'on fait, de ce qu'on pense, de se dire, rien n'est jamais acquis. Si j'étais né en 17, oui, qu'est-ce que j'aurais fait? Personne ne le sait. Mais on peut le chanter, croire en l'homme. Et justement, troisième photo, vous allez la voir, quelqu'un que vous connaissez bien, en un seul mot. Exceptionnel, dans tout, dans sa carrière, dans la façon de gérer sa carrière, et l'homme qu'il est. On connaît moins l'homme, on sait juste qu'il n'a pas besoin de mourir sur scène, et qu'il a vécu ça sereinement et justement et sincèrement. C'est-à-dire qu'il a fait son métier d'artiste. Ses chansons, tout le monde me le dit, et moi je le crois, touchent tout le monde, parce qu'il parle de la vie, commune. Il ne parle pas que de choses extraordinaires. Elle met du vieux pain sur son balcon pour nourrir les pigeons. Pourquoi elle fait ça? Parce que c'est les pigeons encore qu'elle a en contact, parce qu'elle est seule dans cette grande ville. Si on extrapole un peu, c'est des textes qui, moi, me touchent profondément. Et me touchent aussi parce que je connais un peu l'homme et je sais qu'il est tout simplement extraordinaire. Parce qu'on parle avec lui, il me pose plus de questions que je lui en pose, en fait. Alors, qui suis-je à côté de Jean-Jacques? Et on parle de la façon d'harmoniser ses chansons, façon d'appréhender des choses. Et je suis fier de le connaître et d'être un peu en communion avec lui. Et on va rester dans le thème, vous allez comprendre pourquoi, avec l'addition. On conclut par une note un peu plus légère. Un quiz, le thème, vous devriez vous en sortir puisque c'est Jean-Jacques Goldman, donc des questions qui tournent autour de cette personnalité très chère aux Français. Alors, il n'y a rien à gagner de toute façon, hein, donc pas de pression. Première... Je suis pas fort dans les quiz, pas fort du tout. Première question, vous savez où est né Jean-Jacques Goldman? Alors, je sais qu'il habitait très longtemps à Montrouge, à côté de Paris. Je ne sais pas s'il est né là. Mais il est né à Paris. Ah ben voilà. Donc c'est une bonne réponse. Au total, combien d'albums à 5 millions près Jean-Jacques Goldman a-t-il vendu en son propre nom? Alors, c'est une question un peu difficile. Oh là là, je dirais 60. La moitié, 30 millions, mais 30. C'est déjà énorme. Comment s'appelle ce regroupement d'artistes et de personnalités publiques fondé notamment par Jean-Jacques Goldman à profit d'une célèbre association caritative? Les Enfoirés. Les Enfoirés, bonne réponse. Quel est le titre de la chanson qui lance véritablement la carrière de Jean-Jacques Goldman en 1981? Alors, il suffira d'un signe. Il suffira d'un signe, vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais. Question très compliquée. Dans quelle composante de l'armée française Jean-Jacques Goldman a-t-il fait son service militaire? J'ai l'impression qu'il ne l'a pas fait, non? Non, c'est pas un piège, il l'a bien fait. Armée de terre, armée de l'air.
concrètement, je dirais la marine. La musique militaire. Non, c'était l'armée de l'air, il n'y avait vraiment pas de piège. Vous savez quel âge a aujourd'hui Jean-Jacques Goldman ? Il est né en 51, il a 71 ans. 71 ans. Et enfin, dernière question, complétez ces paroles du titre « Je te donne ». Alors, je commence, « Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance ». Et ensuite ? On sera jamais les standards des gens bien comme il faut. Je te donne, etc. Voilà. Ce que j'ai, ce que je veux. Voilà. Très bien, bravo Jacques Hilopt, vous êtes incollable sur... Presque sur Jean-Jacques Goldman. Voilà, cette émission est déjà terminée. Merci beaucoup pour votre temps. Et je crois qu'il y a une petite actualité particulière que vous voulez nous annoncer. Alors je vous laisse d'abord regarder cet extrait et puis on revient avec vous juste après. Et on tenait à vous annoncer tous ensemble que le DVD est en fabrication. Vous l'attendez, il va venir. Un beau cadeau pour les fêtes, Jacques Hilox. Oui, un superbe cadeau. On a rendu en mai un hommage à Jean-Jacques Goldman. Et il nous a beaucoup aidé à travailler avec nous. Je l'ai appelé, on s'est vu. Et il était complètement d'accord avec tout ce qu'on faisait, un peu de raconter sa vie avec ce concert. Et le DVD du spectacle va sortir avant Noël. On a d'ailleurs un visionnage ensemble avec les 2000 choristes le 20 décembre à Styrin-Vendel, dans cette magnifique salle. Et vous pouvez le commander dès à présent. Il suffit de taper Chœur Régional de Lorraine, qui va devenir maintenant Chœur de Moselle, puisque la Moselle a vraiment pris le relais. Et il nous a même commandé, donc c'est un scoop, un opéra rock qui s'appellera Mine, c'est-à-dire Sur le charbon, qu'on va donner aussi l'année prochaine. Mais, actualité, le DVD de 2000 choristes, hommage à Jean-Jacques Goldman. Et c'est important d'acheter ce DVD pour aussi soutenir forcément... Soutenir l'association, parce que les temps sont durs avec le Covid, etc. Tous les prix de sécurité, tout a augmenté. Donc, en achetant, vous aidez à soutenir cette association pour continuer à faire de beaux projets. Et puis, si vous n'avez pas d'idée pour les fêtes, eh ben, ça peut toujours faire un beau présent pour votre entourage. Merci encore, Jacques Hilox, d'avoir participé à cette émission. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée sur Moselle TV.